Bonjour à tous. Commencer à regarder un petit peu où on allait placer notre nouvelle source d'électricité. Voilà, ça va être ici, puisqu'il n'y a rien vraiment d'important. On pourra en mettre 4 colonnes très facilement. Oui, puisque j'ai décidé qu'on allait mettre 4 colonnes aussi. Voilà, ça sera un bon petit chiffre. Alors, ça sera ici. Pour l'instant, c'est des turbines à vapeur niveau 1, mais il va falloir augmenter ça beaucoup plus loin. Voilà, vous pouvez voir, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 10 ici. On va l'augmenter plus loin, ça c'est sûr. Alors, ça va dépasser peut-être un petit peu, mais on verra pour ça. Je n'ai pas tout à fait assez de place. On dépassera de ce côté, c'est pas très grave. Si on peut en faire quelques autres pour regarder jusqu'à où. Juste partir à la nouvelle recherche, voilà ce que je voulais. Capsule de poison, enfin. Voilà. Machine à vapeur, pas trop compliqué. Alors je crois qu'on peut en rentrer maintenant. Ça dépend. Est-ce qu'on pourra mettre les chaudières niveau 4? Je pense pas. Niveau 3, je pense. Il va falloir les faire, ça sera pas trop facile. Mais je pense qu'on va pouvoir, voilà, deux fois plus d'efficacité, donc elles peuvent en avoir jusqu'à 20. Théoriquement, et ici. Tata, puissance émise, 1 MW. Donc c'est quand même énorme, c'est l'équivalent de 2 de base. Voilà, donc je pense qu'on va faire des niveaux 3 et des niveaux 3. Parce que on n'a pas encore accès au tungstène, si je me trompe pas, voilà, on ne peut pas encore en faire. Donc il va falloir attendre un petit peu ici. Et de toute façon, il faut les niveaux 3 ensuite pour faire le niveau 4. Donc on va partir là-dessus, partir la production pour ça. On va avoir pas mal de nouveaux matériaux, je pense, à regarder. Donc ça fait 10. Disons qu'on laisse un espace, juste pour dire que ça fait 10. Ici, voilà. Il va y avoir un petit trou. On va juste passer ça en souterrain. C'est ça le plus important. Alors là, on est 1, 2, 3, 4, 15. Et on devrait pouvoir atteindre 20. Voilà. Ça devrait être notre nouvelle source d'énergie. Donc on va en avoir quand même une immense quantité. Ici, continuer à nous attaquer. Pour l'instant, ça va. J'ai mis un petit mur ici au cas où. Mais ils ont dû le casser. C'est à peu près certain. Voilà, une nouvelle base ici. C'est pour ça qu'ils nous attaquent. Il faudra aller la détruire un de ces jours. Ça, c'est certain. On n'a pas vraiment de bonne armure pour l'instant. Donc voilà, ça va être l'électricité ici. Je sais pas si on va monter jusqu'à 20 direct. Sûrement pas. Sûrement pas. On va y aller 4 rangées de 10 pour commencer. On verra ce que ça donnera. Par contre, ça sera alimenté, ça c'est certain, par le liquid fuel qu'on a ici. Voilà. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, l'essence liquide. Non, pas ici. Voilà, liquid fuel. Voilà, huile fait avec de l'huile légère. Et voilà. Ça ici. Donc c'est avec ça qu'on va l'alimenter. Ça peut rentrer direct. On perd le petit baril, mais c'est pas la fin du monde. Faudra porter ça là-bas d'ailleurs. Hop, ici on commence à avoir un petit manque de ici. De circuit. Faudra arranger ça. Et on va pouvoir partir sur la production de quoi? Electrum, non, pas tout de suite. Ça c'est quoi? Les fouets, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Je sais pas si je veux partir vers ça par contre. Ici. Ouais, non, pas vraiment. Robotique, ça serait bien. On va partir vers ça. Tranquillement. Ici, on manque un petit peu de matériaux. Comme on peut le voir. Voilà, on va décaler ça ici. Hop, comme ça c'est bon. Ok, ça c'est bon, ça devrait repartir la production de ce côté. Ici, donc il va falloir sûrement augmenter ça ici, en rajoutant de l'autre côté. On verra comment on fera. Peut-être pas tout de suite, tout de suite. Pour l'instant, ça devrait encore aller. Voilà. Alors, ça, on voit que ça va encore très bien ici. Pour l'instant, c'est pas à fond du tout. Ici. Les recherches, ça va encore bien, même si on a toujours le manque des petits des résistances. Mais pour ça, on va se passer de ça pour l'instant. Donc, maintenant, on va aller voir ce qu'il nous faut pour la production. Oh,
Encore une attaque. Ils se font détruire assez vite. Si on commençait par les comment ça s'appelle? Les steam engine, ça s'appelle les machines à vapeur. Voilà. Alors les machines à vapeur niveau 3. Pour faire le niveau 1, c'est pas compliqué du tout. Je crois qu'on va partir cette production vers le haut. Par contre, ça sera plus simple puisqu'on est assez plein en bas. De toute façon, on n'aura sûrement pas des fours sur toute la longueur jusqu'ici. Faut pas rêver, hein. Ça m'étonnerait quand même. Au pire, on les agrandira vers le haut, c'est possible ça aussi. Au pire, sinon ça continuera après, c'est pas grave. Alors. Eh ben, on se fait attaquer en continu ici. Ouais. Oh, on peut pas l'atteindre en plus. Comment ça se fait qu'on peut pas l'atteindre? Est-ce que c'est un spécial? Petit crasher, non. Eh ben. Ça va pas? Ok, même moi je peux pas l'atteindre. Ok, voilà. Je sais pas pourquoi on pouvait pas l'atteindre là sur le coup. Il est juste à la bonne place pour pas être touché. Et là, ce mur, il est où? Je le vois pas sur moi. Ah, il est là, caché. Hop, hop, hop. Voilà, petit mur. On va te réparer. Si je clique sur le bon bouton, voilà. Et je voulais débloquer les capsules de poison pour ça ici, le nettoyer un peu, parce que cette forêt, on va pas vouloir la garder. Alors, c'est parti pour ça ici. Machine à vapeur de base, ça demande juste du fer. On va prendre ça ici, pas compliqué du tout. Hop, ici donc. Hop, voilà. Ok, donc on va enlever ça, mettre ça ici, le petit souterrain comme ça, souterrain ici aussi, et ici souterrain, voilà. Ici on peut dépasser, on peut pas dépasser de ce côté là hop. Voilà, on dépasse comme ça, laisser le petit 4 4 places direct. Donc ça c'est bon, tout fonctionne. Oup. Ici qu'est-ce qui se passe? Automatisation. Ouais, ça serait bien de les avoir. Peut-être pas tout de suite par contre. Béton, on pourra mettre du béton par terre. Ça serait bien, mais on va partir vers le tungstène, voilà. Pour faire les niveaux 4 peut-être. Ça serait bien. Alors, on va monter ça ici. Niveau 1, c'était où déjà? Ici, voilà. Faut que je m'en souvienne. Niveau. Alors ça prend des tuyaux, des engrenages et des plaques d'acier. Alors rien de bien compliqué. Alors on va y aller. Est-ce que j'ai qu'une seule machine d'assemblage pour de vrai? Ben oui, on dirait. Hop, hop. On va en faire quelques-unes. Par contre, on a plus d'engrenages sur nous. On va aller en chercher pendant ce temps-là. Et quand on reviendra, on aura nos machines d'assemblage de prête. Voilà. Hop. Un petit peu plus haut ici, est-ce que le carburant, le pétrole, ça va encore? On voit qu'on n'est plus qu'à 50% d'énergie, ça c'est vraiment pas bien. Hop, voilà, ça c'est bon. Munitions, on n'en a pas besoin. Les tacs, ça va encore. On est reparti. Tac, 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 tac. Et je veux plus de machines, peut-être pas quand 34. On va se calmer sur le nombre, hein, peut-être à 14. Ça va aller. Déjà qu'on en a 16. Alors, une machine d'assemblage ici. Une autre ici. Et on va mettre une comme ça, voilà. Pas très compliqué, vous allez vite reconnaître. Hop, ça comme ça. Ça comme ça. Et ça comme ça. Or. Vous avez déjà dû le comprendre, voilà, on va mettre ici les turbines à vapeur, ici les engrenages, bien entendu, les engrenages sont pas là, hop, que je les trouve, voilà, les engrenages, et ici les tuyaux, si j'ai trouvé aussi, voilà, les tuyaux, comme ça. Alors, hop,
Voilà ça. Direct connecté. Par contre, il va nous falloir de l'électricité avec le reste du système, ça serait bien. Hop. Hop et hop, voilà. Un petit peu plus. On ne peut pas en faire d'autres parce que non, c'est pas cela qu'on va faire, c'est cela qu'on va faire. Voilà, ça c'est bon. Alors ça commence, voilà. Pas très compliqué. Les niveaux 2, on fait ça comment? Il nous faut de l'acier maintenant. Or c'est le même principe mais avec de l'acier, d'accord. Alors on va prendre ça. Voilà, nos bras. Et on va monter ça. Voilà. Nos turbines, on les fait monter. On va faire monter ça ici. Je sais pas, on pourrait le faire monter de ce côté-là, je pense. Ici il reste la place pour une, il en reste pas pour deux. Ben, allons-y, on va le faire monter par là. Voilà, ici. Juste après une autre séparation. Je sais pas si on veut le mélanger avec l'autre. Ouais, non, je pense pas. Je pense pas que ça vaille le coup de le mélanger. On va la mettre comme ça. Et on va voir comment on fait ça. Alors, machine. Ici, 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 pour commencer. Alors, ce qu'il nous faut, c'est ça ici, steel bearing, qui demande des plaques d'acier et des billes. Ok, pas compliqué. Il nous faut deux machines, par contre, de billes, je pense. Quoique une, ça sera suffisant dans tous les cas. On veut pas une grosse production. Capacité non, peut-être pas le performante. Des pompes niveau 2, ça pourrait être bien. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose d'autre de plus intéressant? Titanium. Titanium, ça serait très bien. Voilà. Ça c'est parfait. Alors, ici, donc on va faire les billes, steel bearing. Et ici les steel gear wheel. Voilà. Ok, ça c'est bon. Or, des bras rapides. Voilà. Maintenant, on va continuer à monter. Je sais pas si on va le faire monter aussi haut. Hop, peut-être pas autant haut. On pourrait le monter de ce côté à la place. Ça pourrait être une idée. On peut faire ça comme ça. Monter comme nouveau matériau et ça pourrait aller comme ça. Ramasser tous ces petits moteurs, ramasser ça et ce qu'il nous faut ici c'est le remplacer par ça. Voilà, c'est bon, il en faut pas une tonne, de toute façon il en faut un, il en faut un, ça c'est bon. Et ici il en faut une seule plaque. Ensuite, il faut tout mettre ça avec les... Il faut tout déposer ça là-dedans. Voilà. Alors ça, on veut le retirer un petit peu. Je ne sais pas pourquoi je l'ai approché direct autant. Donc tout ça, on veut que ça se ramasse là-dedans. Tac, tac. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va mettre ça comme ça. Voilà. Alors ça nous donnerait un bras comme ça. Et ensuite il faut ça et ça. Il faudrait monter ça alors. Hop, on se fait attaquer. Voilà, c'est ces deux seulement qu'il faut ramasser. On met ça, ça et ici. On monte ça en tapis. Ok, comme ça c'est bon. Niveau 2 donc. Je crois qu'on a tout, on a les roues, il nous manque les... Il nous manque un peu d'acier. Il nous manque l'acier ici. Ok, et on va apporter comme ça. Bon, un petit peu dans tous les sens. On n'aura pas besoin d'une production immense dans tous les cas, c'est pas grave. On va garder lui là. Tac. Voilà, ça c'est bon, ça fonctionne. On devrait tout avoir. Ah, il manque ces billes. J'ai oublié de les relier. Voilà. Les billes sont reliées. Donc
ça devrait arriver. Quoique, ici, si je veux que ça soit plus rapide, ça va être comme ça. Sinon, ça sera jamais assez rapide. Ça arrive, ça se fait super rapidement. C'est vraiment juste ça qui demande un peu d'attente. Voilà, les billes en acier. Pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas? Parce que ça doit être plein. Voilà, si on ramasse, et voilà, ça c'est reparti. Parfait. Donc ça fait le niveau 2. On a ça ici plutôt compact. Mon dieu. Elle est encore en train d'attaquer ce même mur. Je vais rajouter une tourelle laser. Là, ça n'a pas de sens. Tourelle laser. À un moment donné, il faut arrêter de se moquer. Ils ont détruit un mur. Et ils sont en train de faire la même chose avec un deuxième petit bout. J'accepte pas ça. Ok. Voilà. Ok, recherche terminée. Robotique, voilà. C'est parfait. Et la petite tourelle. Voilà. Ça c'est réglé. Pas très compliqué, hein. Voilà pourquoi il faut en rajouter quelques-unes un petit peu partout. Cela, ça fait beau petit nettoyage. Au début de la vague, après la vague, ça marche bien. Donc, maintenant, on a les niveaux 2 ici, ça c'est bon. Les niveaux 3, eux, je pense qu'ils vont être un petit peu plus durs. Alors, niveau 3, il faut du titanium. Maintenant, ça c'est le vrai défi. Faire le titanium. Alors, circuit électronique avancé. Ceux-là, ils sont ici. On pourra en ramasser quelques-uns, je pense. Ça devrait pas être trop pire pour ça. Donc, on pourra sûrement rajouter une ou deux machines ici, ça sera parfait. Mais faire les circuits, ouais, les circuits c'est pas trop pire. Titanium, on va aller voir comment on fait ça. Titanium, voilà, c'est ça. Alors, il nous faut du rutile, du carbone et du calcium chloride. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, du rutile, on n'a pas ça par contre, parce que je pense pas qu'on a ça. On va aller voir nos coffres ici. Ça se peut-tu que ça soit ça? Peut-être. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est une espèce de gris que j'ai pas vu encore. Gris noir qu'on n'a pas encore vu. Alors, dur utile. Où est-ce que je pourrais avoir ça sur la map? J'en ai aucune idée. Quoi est-ce que ça ressemble? Là, on a du charbon. Est-ce que ça se peut que ça soit ça? Non, ça c'est rose, sûrement pas. Ça c'est du zinc en bas, c'est sûrement pas ça. Béton, ouais, pourquoi pas, mais peut-être pas tout de suite. Dur utile, Invar, vas-y, fais-nous l'Invar. Est-ce que ça se fabrique dur utile? Rutile, hop. Ah là, on va te trouver. Bon, ok, on ne trouvera pas, on dirait. Alors ça se fabrique pas. Hop, Rocket Engine. Ok, rutile. Je sais pas. Est-ce que c'en est? Non, ça c'est du zinc. Où est-ce que ça peut être? Peut-être qu'on en a ici. On va aller voir puisqu'on a beaucoup de petits trucs ici. Sinon, je sais vraiment pas où on peut en avoir. Sinon, c'est une très bonne question. J'espère qu'on va en trouver une belle quantité parce qu'on va en avoir besoin, c'est certain. Et là, il en faut pas pour ce niveau encore, il en faut non plus pour ici. Eh ben, étonnant. Ah, voilà, rutile, énorme quantité, d'accord. C'est l'espèce de rose sur la map, rose foncé, c'est ça. On n'en a pas une tonne autour. Bon, il y en a un petit peu partout, mais assez loin. Ouais, faudra faire en train si on n'a plus cette quantité à porter. On en a un petit peu ici. Pas si pire. On en a une belle quantité, ça devrait aller. Alors comment est-ce qu'on va apporter ça? Disons, on ramasse tout ça, on la porte en bas, là on aura assez de place pour le passer, ça c'est bon. On la porte ici, on le stocke ici dans un autre de ses réservoirs. Ouais, ça c'est bon. Tac tac tac. Ensuite on peut le fabriquer ici sûrement, le transformer. Est-ce qu'il faut le transformer? Hop, c'est fini. Est-ce qu'il faut le transformer? Tourelle laser, ça c'est bon.
L'heure utile. Est-ce que je dois te transformer? Non, on le veut brut, alors ça c'est bon. Et le charbon et le calcium chloride, ça c'est parfait, pas très compliqué. Alors, c'est parti pour ça. Hop. On va décaler une case supplémentaire. Et voilà. Hop, ça c'est bon. Et on va en mettre un dernier ici. Ok, ça c'est bon. On va tout couvrir. On laisse pas de miettes. Hop. Un petit peu plus dur parce que là il fait noir. Mais ça devrait aller. Ok, là il va rester un petit morceau. Obligé de mettre ça. Voilà, on va le rapprocher. Sinon ça sert à rien. Hop, non, pas comme ça. On veut pas non plus le miner trop vite. Mais il faut le miner au complet. Ça, on est obligé. Ok. Celui-là. Deux cases ici. Deux cases. Deux cases. Ici, c'est bon, il nous en reste plus beaucoup. J'en ferai pas d'autres, hein, même si on en a besoin de quelques autres pour tout couvrir, tant pis. Il en restera un petit peu. C'est tout. Mining drill niveau 4. Voilà, des forêts niveau 4, ça sera parfait. Hop. Et voilà, ça c'est la fin. C'est suffisant pour tout ça. On va les connecter aux deux. Pas connecté toi. Voilà, toi t'es connecté et c'est pas connecté ici. Ça serait bien. Comme ça, on sait ce qui marche et ce qui marche pas. Alors là par contre, ça c'est pas connecté. Voilà, ici et ici. Ici, ça c'est connecté, ça c'est connecté. Voilà, ça c'est connecté. Tout ça, c'est connecté, voilà. Un autre ici et pour finir il manque cette petite rangée. Voilà, ça c'est parfait. On va tirer des tapis, ça c'est bon. Un deuxième et de ce côté le troisième. Voilà. Donc on va tirer ça comme ça, peut-être plus comme ça. Voilà. Ok, alors on va mettre ça comme ça. Voilà. Ça c'est bon. Ça devrait bien partager tout ça. On va le faire passer en dessous. Est-ce qu'on aura, non, on aura pas assez de tapis, mais c'est pas grave. On ira en chercher d'autres. On va faire passer, descendre ça ici. Hop. Voilà. Hop. On descend. Et on continue un petit peu par là. Continue comme ça. Et ici, on va pouvoir tourner. Voilà. C'est bon, il faut pas passer sur le stock de zinc en dessous parce qu'on va sûrement en avoir besoin de ces jours. Et voilà, on en a plus. Alors ça c'est bon, ça fait quand même une immense quantité de zinc qu'on va avoir à ramasser, tout mettre dans un paquet. Voilà, 50% d'électricité là, c'est pas très fort. Sinon, on manque quand même un petit peu de fer, mais le reste ça va. Manque de fer, donc en tout cas sur nous, pas pour l'usine. L'usine, je crois qu'elle va plutôt bien en faire. Nous, ce qu'il nous faut, c'est des tapis et on va prendre ce fer ici. Voilà, c'est quelques places dans l'inventaire. Ça va aller. On voit qu'on pollue énormément sur le coup, donc c'est certain que ça va attirer beaucoup de petits voisins, mais bon, ça on peut pas faire grand chose pour eux. Alors, on va continuer sur
jusqu'ici. Ok, jusqu'en bas. Et ici, on va passer comme ça. Voilà. Ça, ça devrait être bon. On tire celui-là aussi. Hop. Et ici, on va pouvoir le mettre. On va juste faire une petite séparation ici au cas où. On sait jamais ce qui pourrait arriver. Je préfère faire attention. Et voilà, ça, ça va descendre comme ça. On va faire 6 donc. Voilà, il nous faut des coffres. Alors on va prendre des coffres en acier. Tac tac tac, il nous en faut pas mal. On va faire 5 de plus au cas où. Coffre en acier, on en avait déjà plein, c'est bon. 5, 6, 6. Voilà, ça c'est bon, on a les stocks. On passe les bras. Et il nous en reste plus beaucoup par contre. Il va falloir refaire des bras avancés. Bras avancés. Tac 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 tac. Parfait. Ici un petit peu plus. Et de ce côté là, on va pouvoir retirer tout ça. Voilà. Le petit répartiteur. Je pense plus qu'on en a de répartiteur. Après ça, il va falloir en faire d'autres. Et on va pouvoir retirer ça comme ça. Voilà. Voilà. Et on place comme ça, c'est parfait. Et relier ça ici. Parfait. Ça, ça devrait arriver. Ça, on va pouvoir le mettre sur ce petit circuit ici. Le faire passer jusqu'à là-bas. Et ça, ça sera bon. Ensuite, passer jusqu'à là-bas. En fait, je sais pas jusqu'à où on va l'amener exactement. Sûrement pas trop trop loin. Ah, voilà. Nouvelle séance. Séance niveau 4. Voilà, on va partir pour ça. Peut-être l'amener ici. Puisqu'il va nous falloir quoi d'autre pour cette technologie. Qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre pour le titane? Non, c'est pas ici. C'était ici. Voilà. Il va nous falloir du calcium chlorate et du carbone. Carbone qui est pas dur à faire. Voilà, carbone, on pourra faire avec le charbon ici, ça, ça sera bon. Et le calcium chloride, ça je me souviens plus. La pierre et de l'hydrogène, voilà. La pierre qu'on a ici, on pourra la monter. Et l'hydrogène chloride, ça, ça sera pas compliqué à faire non plus. Voilà, on pourra tout faire ça de ce côté-là, c'est très bien. Et on peut voir qu'on commence à stocker quand même considérablement, c'est tant mieux. Voilà, ça va arriver. On va commencer donc à vider ça ici. Comme d'hab, ça va faire une méchante consommation d'énergie juste pour ça. Et ensuite, ça va se calmer, ça sera très bien. Alors, 12,5 MW consommés pour l'instant, c'est beaucoup. On va s'arrêter là pour cet épisode, puisque j'ai pas tout à fait le chronomètre à côté, mais bon, parce que je crois que ça fait à peu près 25 minutes, 30 minutes. Bon, ça sera assez pour cet épisode. Prochain épisode, on finit le titane ou le titanium. Et ensuite, voilà, titanium. Et ensuite, on pourra faire les niveaux 3 et passer aux chaudières. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode comme toujours. Mettez un petit j'aime, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.